magnifique. C'est à toi, c'est quoi moi, c'est à toi. Non, c'est j'ai rien, c'était quoi. Oui, d'accord, ok. Alors, à un moment, on a arrêté de partir, ou quand Otto va. Et ben à ce moment-là, faudra tous tirer des genoux comme ça. Et alors? Alors, ça va un peu comme ça, vous voyez le genre. Presque. Presque, c'est en fait... C'est l'idée, mais c'est, en fait c'est... The monster from its crypt began to arise. And suddenly, to my surprise, he did the mash. He did the monster mash. It was a graveyard smash. It caught on a flash. From my laboratory in the castle east, the ghouls had all gathered for a feast. The vampires came from their humble abodes to get a jolt from my electrodes, and they did the mash. They did the monster mash, monster mash. It was a graveyard smash, monster mash. It caught on in a flash, they did the mash. The zombies were having fun. The party had just begun. The guests included Wolfman, Dracula, and his son, and they all did the mash. They did the monster mash. They did the monster mash. They caught on in the flash. They did the en 1956, la jolie commune de Saint-Sulpice avait connu différents drames. Dans un temps assez rapproché, en 3 semaines, 81 vieilles femmes étaient décédées. La police suspectait un serial killer, même si le terme n'était pas encore arrivé en France, puisque nous étions en 1956. Les 80 vieilles femmes, en un sens, servirent à mettre en place des méthodes très modernes par la police, qui en effet a pu demander des subventions et avoir enfin le
la petite radio pour mettre dans les téléphones pour pouvoir faire donc des écoutes dignes de ce nom. Parce que quand même, à Caen, il y avait quand même le mec. Bon, d'accord, ok, syndicat d'initiative, peut-être, mais la prostitution, quand même, ça ne se fait pas. Alors, à ce moment-là, et donc du coup, la police a demandé du matériel haut de gamme, et c'est pour ça que maintenant la police du coin est vraiment très bien gauchalandée.